plus de justice dans le processus de réconciliation au Soudan du Sud. C'est l'appel que dit avoir entendu l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité lors des discussions avec les femmes du pays. Binetta Diop s'est exprimée à la fin d'une rencontre entre les citoyens et les membres du gouvernement. Selon elle, il est grand temps de faire taire les armes au Soudan du Sud. Nous voulons faire entendre leur voix. Elles disent être toujours confrontées à l'insécurité. Peu importe l'endroit, quelle que soit leur origine ethnique. Nous avons aussi besoin d'assister au retour de la paix au Soudan du Sud. En plus des pillages de bétail et la destruction des maisons, un grand nombre de femmes a subi des violences sexuelles lors des affrontements au Soudan du Sud. L'ONG Human Rights Watch affirme être en possession des preuves de dizaines de cas de viol qui concernent parfois des groupes de personnes.